Pourquoi là j'ai une zone... Ah, parce que je peux pas aller là-dessus, parce qu'il n'y a pas de route. On attend qui là? Ben toi. Ah non, j'ai cliqué chef. Et le tour est passé. Tu sais, je te jure c'est pas une blague, mais j'ai mon Steam qui est juste lancé derrière mon écran et comme c'est en mode fenestré, je vois juste un ou deux mots, tu sais, le haut de Steam. Et en fait, je sais pas, j'avais dû cliquer sur Payday, donc dès que je vois ton pseudo, je vois Payday au-dessus. Mais quel boulet, putain. Ça se tient. On va prendre ça. Bon bah voilà, avec la chapelle, j'ai jusqu'à 30 habitations. Je peux refaire un quartier résidentiel s'il y a besoin. On va pas faire encore. Ouh, on peut augmenter les prods ici. Je vais poser une question super absurde, mais comment on fait pour lancer un satellite quand on a la technologie satellite? Faut que t'aies un... construire un centre de... spatial. Centre spatial. D'accord. Ouais, alors par contre... Ah non, c'est Pierre qui m'a pris. De quoi? Non, Pierre Legan qui m'a pris... Stockholm. Et alors ça va pas se passer. Ils t'ont pris une ville? Non, ils m'ont pris une des cités alliées. Ah oui, d'accord. Le mec s'emmerde pas, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a pris une cité alliée, bah bien. Non, ça va, je regagne du poil de la bête. Ouh. Putain, le russe, il se balade avec... Oh là, oh là, oh là. Regarde juste au nord de Aix-la-Chapelle. Un petit cosaque avec un colon, ça. Oui, bah c'est lui, c'est le colon qui se balade. Il est perdu avec son colon. Ah bah ouais, mais attends, parce que là, est-ce qu'il peut coloniser quelque part? Il peut pas faire grand chose, si, entre Genève. Je pense qu'il explore. Hein. Il est un peu limité en termes de place, hein, très honnêtement. Ouais. C'est pour ça que je suis allé construire très rapidement. Ouais, je comprends. Parce que. Bon, mec, on va faire masse de ça. Ah, quoique non, j'en ai déjà deux. Non, on va... Combien c'est pour faire cette tour, c'est trop. On va faire la classico. Pour plus de bouffe, il faut qu'il aille là. On attend de Bill Silverlight. Bah oui, mais tu comprends, il y a des trucs quoi. Tidi. Karine, ma copine, prends ma pine, suce-la moi. Tu sais, j'ai la chanson. Et ça y est, la série est passée en Peggy 18, les amis. Oh là 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 là. C'est bon, le regret de vous informer. Quelque chose de prof de maths. Ah, il y a un Cassius Belli. Vous avez gagné un Cassius Belli pour déclarer une guerre coloniale à Gorgo. Mais je... Ah ouais. Ça veut dire que tu es... Enfin, il est très très en retard sur toi. Ah ouais. Ah ouais, il a des fermes brûlées d'ailleurs. Non, c'est Hong Kong. Ah mais... What? Ah oui, Philippe II, ouais, forcément il est... Parce que Gorgo, en fait, elle est toujours à l'ère de la Renaissance. Elle est un peu perdue là-dedans. Oh putain. Vous êtes quoi? Vous êtes tous allés en rester amis? Non, on est dans la dernière ère. Hein. Mec, j'ai bientôt les bombes nucléaires, je veux dire, à un moment. Mais t'es déjà dans l'ère de l'information, toi? Je sais pas, bah oui, parce que... Attends, ère de l'information? Oui, oui, parce que j'ai découvert les satellites. Donc oui, je suis dans l'ère de l'information. Formation... Ouais, ouais.
Non, les informations, c'est dans l'air atomique. Bizarrement, alors qu'il y a une technologie qui s'appelle satellite, je suis d'accord que c'est assez étrange. Non, ère de l'information, elle commence et t'as satellite derrière. Ouais, je sais, mais les satellites, tu les obtiens avant, en fait. Ah oh bon. Putain, t'es sérieux? Tambov, oh, toi, tu vas prendre tellement, mais tellement cher. Quoi? Moi? Oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'as fait? Cassius Belli déclare une guerre officielle. Contre c'est qui? Tout ce que j'ai, c'est sérieux? Qui veux-tu c'est tuer encore? Sois un peu plus gentil, Bill. Arrête non, je crois pas, non. Contre qui tu déclares la guerre? Bah ça y est, c'est déclaré. Mais contre qui? Ah, Pierre le Grand. Bah ouais, regarde-moi ce mec, comment il s'installe. Il s'installe... ouais, par contre, tu rases, hein, t'es gentil. Ah bah oui, je rase, oui, tu crois? Parce que tu prends pas pourquoi une ville attends, ici, est-ce que si à côté a... de ma capitale, oh, sinon je te rase. Oh, ouais. Franchement. Non, 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 mais en vrai, mec, tu pourras jamais l'étendre. Hein. Aix-la-Chapelle continue à s'étendre vers le nord. Je m'en fous de l'étendre, je veux juste avoir un peu de science en plus. Ah, parce que t'as des montagnes, c'est pas con. Bah ouais, c'est ça, c'est... Jusqu'à maintenant, la science, j'ai juste quelques centres qui font beaucoup de science, mais c'est tout. Toujours les mêmes qu'on attend. C'est clair, on en a marre. Casse les bonbons. Merde. Et du coup, c'est toujours en train de réparer, je sais pas trop pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, pour l'instant, je suis à 20... Comment on fait pour gagner alors par la victoire scientifique, en vrai? Faut envoyer un homme sur... Faut coloniser Mars. Non, non, ensuite. Ah oui, si, c'est ça, t'as raison. Coloniser Mars. Et comment on fait pour coloniser Mars? Plein d'étapes, faut d'abord envoyer un satellite, ensuite un homme sur la Lune, ensuite des modules, et ensuite ça part sur Mars. Il y a 3 modules en tout. Hop, il me faut les plateformes pétrolières, moi. Mon artillerie, elle arrive pas à tirer sur Tambov, c'est quoi ce bordel? Ok, ce bâtisseur-là, il a fini. On irait aider là-bas. Ulm, Ulm, que va-t-on faire à Ulm? On a le temps avant les sorts. Ah, quoique. Ulm. Oh, je peux former un régiment. C'est très tentant. Ça sert à quoi? Ça regroupe tes unités et elles ont beaucoup plus de puissance de frappe. D'accord. Un petit quartier résidentiel par ici. Ouais, non, c'est pas officiel. Ah, par contre, j'ai pas encore débloqué les armées, visiblement. Bah, c'est si tard que ça, les armées? Vous vous souvenez où c'est? Comment ça? Bah, j'arrive pas à trouver le truc pour avoir des armées. Non mais il te faut impérativement... Je sais plus ce qu'il faut. Il te faut pas impérativement un campement ou un truc comme ça. Oh, non, je crois pas. Je me souviens plus du tout. Je t'avoue que... Bon, mes villes sont dans une optimisation, les mecs. Donc dans la capitale, ouais, 110 de prod, 72 de bouffe. Ah, j'ai que 50 de prod, celle-là, je suis un peu déçu. Ah, celle-là, elle a 66, elle commence à progresser. 53, celle-là aussi, elle est pas dégueu. Les Allemands, c'est des producteurs, ria. Yeah. Par contre, j'ai pas vu d'autres pétrole, ça me fait chier. Du coup, j'en ai qu'un seul. Ok, lui il a fini. Putain, comment ça résiste trop, c'est... Ça résiste à mort, les défenses, là. Quelle défense? Les défenses de la ville, la Tambov. Il me propose de faire une ferme, alors j'en ai déjà fait une. Des fois, il y a des petits bugs, certains trucs. Ah, mais c'est là, réparer les défenses extérieures! Oh, mais c'est nouveau ça, c'était pas comme ça! Oh,
rivière quelque part. Ça peut être pas mal de faire un truc commun ici. En attente de prof. Non, non, moi j'ai rien fait, moi. C'est pas moi, chef. Mais c'est bien ça le problème. T'as rien fait. Ah, y a trop de choses à faire, trop de petits hommes qui veulent construire des trucs, trop de colons qui veulent faire des cités. Faut que je regarde comment vos villes sont. Ouais, elles sont pas mal. Tiens, d'ailleurs, si tu vas au nord et que tu trouves un colon barbare, si tu veux bien me le libérer, je dis pas non. Au-dessus de Grenade. Ouais. Ok. Putain, la gâche, il y a deux. C'est toi qui as la gâche, Bill. Il y a deux pétroles dessus. La gâche. Ouais, c'est toi qui l'as. C'est où la gâche? Un peu au nord. Plutôt bien placé. What? Tu pars de Churupac? Non, la gâche. La gâche, ça me dit rien du tout. La gâche. Ah, la gâche. Oui, là, oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai. Oui, parce que ce que toi tu appelles au nord, pour moi, c'est à l'ouest. Rester sur les mêmes bails. Tididi. Combien de tours il reste? Ah, oh, ça va. C'est cool. Oh, je peux faire des ballons de pierre. Ah, du coup, en score, j'ai dépassé Bill, je rattrape Pierre le Grand. Par rapport à Bilge, qu'est-ce que j'ai en plus? Ah, c'est les merveilles. Oh oui, j'ai 25 points de merveille. Moi, je dois avoir que dalle en merveille. Ouais, t'as pas grand-chose. J'en ai construit pas mal. J'ai construit la Ruhr, j'ai construit Oxford, j'ai construit Big Ben. Qu'est-ce que j'ai construit d'autre? C'est quoi ça? Juste une question, les chefs-d'œuvre, ça te donne juste de la culture, c'est tout, hein, c'est ça? Ouais, ça donne de la culture, les chefs-d'œuvre. Putain, mais c'est eux qui font des temples de partout pour faire de la foi, là. Et on attend toujours les... Pas moi. Pas moi. Bah, moi, j'avais fini et il y a une unité qui m'a dit « Eh, finalement, je veux dire un peu de... » c'est compliqué. Ouais, si, ça va. T'as découvert la robotique, putain. Qui? Prof. Mais non. Ah bah si. Quoi? Ah ouais, bah mais il y a longtemps aussi. Ouais, la robotique. Oh, elle est pas si loin que ça pour moi. Elle est à 5 tours, la robotique. Bon, après, c'est, c'est une, dernière ouais. une des dernières techno. Ça dépend ce que t'as trouvé avant, en fait. Du coup, ça pourrait être pas mal. Ok, alors, faut que je décide, est-ce que je la garde cette ville ou pas? J'arrive pas à prendre le tableau, je comprends rien, à part la galerie. Ah, j'ai pas trouvé ça. What? Ah, ah ouais, je suis vachement en retard là-dessus. Bon, il y a un homme qui est parti sur la lune, hein, les frérots. On n'a pas eu l'anime d'ailleurs, je suis un peu déçu. Sérieux? Putain. Qu'est-ce que j'en fais de cette ville? Bah, de toute façon, ça n'a aucun désavantage à avoir une ville. C'est pas faux. On va faire des fermes ici. Donc on pense à un quartier résidentiel. Ah, oh bah ici, c'est pas dégueulasse parce que le coin me sert pas à grand chose. Plus 6 en plus. Allez, hop, on vire la ferme, on s'en fout.
Et hop, une petite plateforme pétrolière. Ah bah j'ai un artefact là-dessous, cool. Eh mais il achète toutes les cases du monde lui, hein. Il pourra pas s'étendre à l'infini. Mec, le russe, sa ville elle a 4 habitants, elle est aussi grande que ma ville qui a 24 habitants quoi. Enfin, il y a un problème à un moment. Il a de la thune en tout cas là. Oh bah il la dépense tout dans l'achat de casse quoi. Moi je suis à 300 par tour de thune. Ouais, moi aussi. Enfin, on peut pas... Non, ça on peut pas acheter. Ça va s'étendre naturellement. S'étendre naturellement, hop. Ah! Ah, bah j'ai toujours pas cette doctrine. Ah, bah pour une fois, c'est moi. LOL! Ouais, j'ai fait beaucoup plus d'unités là, donc forcément. Tu vas aller achever la graisse ? Non, je fais des unités de construction, je me développe. D'accord. La graisse, non, je sortirai les bombes nucléaires. Non, en vrai, non, j'ai pas. J'ai les blindés, ça y est, je crois. J'avais besoin du pétrole en fait. Je crois que je les ai, donc je vais commencer à pouvoir produire des blindés. Mais en fait, si tu veux, mes villes là, elles sont en essor énorme parce que j'ai plus l'usure de guerre, elle a disparu. Donc, d'accord. J'en profite. C'est tout le temps ça. J'ai le personnage Illus qui fait production plus 100% pour les projets liés à la course à l'espace. J'attends avant de l'activer ou pas? Non, il me semble que c'est pour toujours. Ok, il me semble aussi. Hein. Ça paraît très bizarre. Attends, déjà que je produis énormément là-dedans. Alors, bah voilà, on peut faire des blindés. On va attendre un tout petit peu l'essor max. Quelle est la différence entre un aéroport et un aérodrome? L'aérodrome, c'est peut-être pour les unités. Je sais plus quelle est la différence. Je sais pas. Je crois que l'aéroport, c'est pas juste... L'aérodrome, c'est le quartier, l'aéroport, c'est un bâtiment du quartier. En plus, je viens d'avoir la doctrine, l'usure de guerre progresse 25% moins vite. Donc, ça se positionne plutôt bien. Ah! Pierre le Grand a proposé un accord. Mais tu vas te faire foutre, mon vieux. Comme d'hab. Et Gorgo qui continue à m'avertir. Avec sa lance là en mode hey, je vais te mettre un coup de lance. Oui, c'est à quel sujet? Bon, on va faire des tanks, on va aller capturer ces deux trucs là. Ensuite, on fait la paix. C'est un sujet que vous êtes chez moi, monsieur. Qui c'est qui s'est fait? Ah! J'ai capturé un espion de l'Empire grec. Lol. Voilà. Bon, je vais pouvoir faire des destroyers et des porte-avions. On est bien. Et de l'uranium, j'espère que j'ai de l'uranium, hein. Sinon, sinon j'ai un problème. J'ai pas vu si. Mais c'est de la merde, le ballon il se transforme en bateau quand tu vas sur ici, mais je peux pas. C'est une blague. Non, je peux pas acheter la case. Donc elle est trop loin. Allez, une case trop loin. Oh putain, la tristesse. Attends, je regarde si j'en ai ailleurs. Oh, il y en a ici. Oh, pareil. Oh, oh. Oh putain, je suis à une case de distance.
Quelle arnaque. Bon, ça va finir par s'étendre naturellement vers le truc. Mais... Mais dans tous les cas, tu sais que ça va pas plus loin que 3 cases, il me semble. Non, c'est pour les... Si, ça va plus loin, mais c'est les quartiers que tu peux pas aller à plus loin de 3 cases. Pas sûr, si, hein, si, il me semble si, que si. C'était trop max. Bah regarde, Aix-la-Chapelle, si je regarde... Je crois que t'as 4 ans, hein, partout. Ah non, t'as raison, c'est 3 max... attends, 3... Tu peux échanger... Ouais, t'as raison, je crois que c'est 3 max. Mais ça finit par s'étendre au-delà. Non, bon, il me semblait que non, mais tu dois avoir raison. Si, si, ça s'étend toujours, toujours plus. C'est toujours plus. Mais, putain, elle est juste... J'ai 2 uraniums qui sont vraiment... Et je vais pas construire... Surtout que là, en fait... Attends, si je regarde mes habitants... 1, 2... Ouais, je suis à 3. Oh, putain, faudrait que ça puisse s'étendre, chier.